Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois à Orléans pour suivre ensemble le 16e de finale du national du même nom, ce deuxième national d'Orléans auquel nous avons le plaisir de participer avec la Web TV Boulistonote cette année à nouveau. Et puis un 16e de finale, comme je vous le disais, qui va opposer l'équipe de Rudy Barbastol à l'équipe de Ligan Doer. On va vous présenter les six protagonistes dans un instant. Cette partie, elle vient de commencer devant les caméras de la Web TV Boulistonote. Stéphane, avec une des équipes favorites de la compétition, celle de Chris Elfrick, Ligan Doer et Jean-Pierre Tugo. Elle est opposée à des joueurs de la région parisienne. Oui, Rudy Barbastol, Christophe Marinkovic et David Delahaye. On va vous les présenter, ces joueurs. Ils sont en rouge et noir, aux couleurs, si on était au rugby, ce serait les couleurs toulonnaises. Ça. Et forcément, voilà. Ils sont un peu moins connus que leurs adversaires. Alors, voilà. Mais Rudy Barbastol, on se rappelle quand même, pour ceux qui suivent le trophée des villes qui se déroule, tiens, justement, en ce moment, il avait été demi-finaliste du trophée des villes 2016. Et en ce qui concerne ce beau bébé là que vous voyez dans le rond, lui il s'appelle Christophe Marinkovic et il a démarré sa carrière en junior avec son cousin David Marinkovic, un joueur qu'on connaît aussi en région parisienne puisqu'il avait été demi-finaliste du championnat de France il y a quelques années avec Kevin Malbec. Christophe, lui, il avait complètement arrêté la pétanque et puis il l'a reprise il y a 3 ans. Et puis avec quelques succès à la clé. Donc on peut s'attendre à une belle résistance et pourquoi pas un succès de la part de ces trois joueurs face à celui qui l'an prochain sera le tireur d'Henri Lacroix. Puisque Ligan Doer, on le sait, il va rejoindre le club de l'Acro en compagnie du champion du monde. Et puis David Doer, on sait que c'est tout simplement le double finaliste du championnat de France tête à tête sur les deux dernières éditions. C'est un joueur majeur de la nouvelle génération. Qui est vraiment passé tout près de ses deux premiers titres. Exactement. Ici avec Chris Elfrick, de longue date. Oui, longtemps partenaire de Marco Foyot, notamment. C'est le joueur qui a fait ses premières armes dans la région bordelaise, notamment au sein du club de Bassens. Alors c'est peut-être dans ce club qu'il a connu Jean-Pierre Tugo, parce que Jean-Pierre Tugo, lui, est toujours licencié à Bassens. Jean-Pierre Tugo, on l'a vu souvent faire des beaux parcours au sein du Mondial de la Marseillaise et notamment, je me rappelle, une partie disputée devant nos caméras en compagnie de Belama et de Chapelan. Ah oui. Voilà, décor est posé et cette première main qui s'achève. Il n'a pas suffisamment soulevé sa boule, Christelle Frick, on sait qu'il joue avec beaucoup avec les épaules. Il l'a embarqué un petit peu trop à droite, ça c'est mieux tiré. Allez, 2 points pour démarrer. Un but qui est à 6,80 m.
Ligan Dower qui vient juste de préciser à Chris Elfrick qu'il n'aurait pas dû jouer aussi court parce qu'on vient de tirer à 12-13 mètres. Donc changement assez brutal de distance. Alors Ligan Dower qui est encore un jeune homme, mais qu'on voit depuis assez longtemps sur le circuit, parce que je disais, il a signé énormément de succès en junior et puis en espoir. Il était champion du monde junior en 2015, hein. Deux fois champion d'Europe, toujours en junior, et trois fois champion d'Europe espoir. C'est quelqu'un qui est dans le giron de la DT1 depuis assez longtemps et puis qui a confirmé, évidemment, depuis quelques années. C'est le joueur talent déjà, qu'on espérait. Ouais, très aguerri malgré son jeune âge. Hein. Il fait partie de ces nombreuses étoiles là qui font alors pour le coup le désespoir des joueurs varois, parce que ça devient très très difficile d'être champion du Var en étant natif du département, sauf si on s'appelle Henri Lacroix évidemment. Mais en tout cas, un département qui pousse, qui tire vers le haut là, tous ces joueurs. Hein, parce que et puis c'est pas fini, on voit que l'an prochain, on sait que dans le Var, il va arriver Diego Rizzi, il va arriver Alessio Cocciolo, il va arriver. Jordan Scholl. Non, Jordan Scholl, lui, il s'en va. Au contraire, il quitte le Var pour Bron. Il reste dans le. Tant pour moi. Oui, parce que je l'ai vu en. Je l'imagine avec le trophée des villes qui se déroule actuellement, et c'est vrai qu'il est encore sous les couleurs de Fréjus, donc effectivement il va à Bron, tout à fait. Exactement. Et on annonce aussi l'arrivée déjà à Fréjus de notre Delahaye, là, puisqu'on a, David Delahaye ici sur ce terrain, mais dans l'occurrence ça sera. Ah, ça sera Adrien Delahaye là, qui a signalé son arrivée aussi à Fréjus. Fréjus qui n'a pas tout à fait fini son mercato. Donc on va avoir encore d'autres annonces de la part de Jean Casals cette fin d'année. Précision technique hein, de la part de notre ami Lionel Zanet à la régie. Vous ne pourrez pas suivre hein, les résultats sur on va dire le réseau habituel, puisque le concours ici c'est bah, une particularité peut-être qu'on voit rarement, mais le national est en AB. Donc si on perd dans le Var, on tombe directement le B sans inscription, et à ce moment-là on ne peut pas faire le suivi avec le logiciel fédéral. Donc Ne cherchez pas à suivre avec l'application les résultats, vous ne les aurez pas au fur et à mesure de la compétition. Donc on vous mettra en fin de journée les qualifiés pour les huitièmes de finale demain matin. Voilà, pas de panique, hein, vous aurez tous les résultats évidemment dans le forum Bouliste Note consacré à ce deuxième national d'Orléans. Rudy Barbossol au point. Alors on était deux boules à deux, donc maintenant on a les boules pour marquer du côté de Ligan Dower. Alors, Ligan Dower qui aurait bien aimé être champion du Var cette année en compagnie
de Stéphane Robineau. Hein, qui, ben je disais, je parlais tout à l'heure de la difficulté des joueurs varois à inscrire leur nom au palmarès de ce département maintenant, mais certains y arrivent, hein, puisque Ligan Doer et Stéphane Robineau, ils avaient été battus en finale du championnat du Var Doublette par Sébastien Astier et David Marmy. Hein. Comme quoi les effectifs du Var sont copieux et, oui, et de qualité. Hein. Ouais, et puis il faut rappeler qu'à la pétanque, on peut toujours gagner. On a pas moins de boules que son adversaire, quel que soit son nom et son palmarès. Il suffit d'avoir du talent et du courage. Et Barbesol qui n'a pas gagné le point, donc il va offrir un deuxième point pratiquement. Et de justesse, hein. Oui. De justesse, mais ça sort de point. Oui. Allez, voilà. Allez. Doer qui fait la course en tête. Et part en fanfare. 2 x 2, 4 à l'issue de cette deuxième main. Avec un but qui est à 8,50 m. Mais Jean-Luc Tugo au point. Jean-Pierre Tugo. Jean-Pierre, autant pour moi. Parti donc. Du sud-ouest, on va dire, hein, puisque quels que soient leurs engagements de part et d'autre, on a quand même trois joueurs qui sont deux de la région girondine. Et puis on se rappelle que Ligan Doer, lui, il vient des Pyrénées-Atlantiques, hein, puisque il a longtemps été licencié, il a fait ses débuts dans la région paloise. Au club de Pau Pasteur, si je ne me trompe pas. Puis on vous rappelle, si on ne vous l'a pas dit, mais là vous l'avez vu à l'écran, c'est un 16e de finale, donc c'est une partie qualificative pour demain. Hein. C'est pas très tard dans la journée, mais on est déjà dans les parties qualificatives. Les deux équipes qui n'ont pas pris de retard, on va dire, sur le programme. C'est un petit peu un déficit de tir du côté des rouges. Si vous ne nous avez pas suivis sur les premières parties de la journée, on va vous reparler un petit peu de ce terrain qui hérisse un petit peu les cheveux de nos pointeurs, hein, jusqu'à présent. Même si on a vu certains qui s'en sont plutôt bien tirés. Et ça se confirme encore là, mais un terrain très bosselé, un petit peu de gravette là qui quelquefois peut permettre un tir un petit peu devant, mais qui aussi peut laisser de belles surprises, ou de mauvaises surprises. Ah, en tout cas, c'est un terrain comme on aime, qui ne supporte pas la médiocrité. Hein. Alors, vous l'avez vu, un bouchon qui a démarré, hein, avec un petit contre sur la boule arrière, et maintenant, on regarde, le point est resté à Ligan Doer.
avec son petit palais. Ça aurait pu moins bien se passer hein, sur cette boule. Il a. Il en fallait pas plus. Mmh, il avait déjà fait une demi-casquette là, sur sa première boule, Chris Elfrick. Et là, celle-là, c'est une casquette complète. Ça procure un premier point à l'équipe de La Haye. Barbossol qui jette à la perfection le but à la malgache. N'a pas bougé à l'envoi avec un jeu à 9m30. Oui, c'est vrai. On voit très bien la boule aussi. Vous l'avez vu. Beaucoup de rotation. Net et sans bavure. Ah, il vient de pour regretter son tir. Gandoer, est-ce que ce garçon se fasciniserait un peu. Ah, c'est bien envoyé encore. Très bien envoyé. C'est vrai qu'à partir du moment où son partenaire a moyennement pointé la boule, il espère récupérer la chose avec un carreau. On sait qu'il est capable et effectivement, il a très bien tiré, mais bon, ça n'a pas. C'est exactement ce qu'il est en train de dire, Ligandoer. Il trouve que le point de Thugo n'est pas suffisamment bon pour appuyer une main de tir correcte. Donc on va essayer de. Thugo va essayer de l'améliorer. Une main qui sourit aux Parisiens. Il faut du gant rouge qui ne marche pas. C'est le
voir quand il aura. J'aimerais bien qu'il me regarde, qu'il fasse un signe. Regarde, on sait jamais, tu lui fais signe. Au peu de haut. L'horreur, j'entends bien, mais lui. Alors, est-ce que cette boule ne s'est pas échappée? C'est pas du tout sûr qu'il ait repris le point à un seconde de la haie. C'est même pas sûr du tout, parce que j'imagine que s'il avait pris le point un second, Marinkovic serait déjà en train de tirer. Donc il y a toujours deux points au sol pour Doher. Le point n'est pas facile à gagner. Je me demande si avec trois boules, ils n'auraient quand même pas pu tirer. Il va peut-être me faire mentir. Et hein. Le point est toujours à Doher s'il faut. Ça se complique pour l'équipe en rouge et noir, parce que évidemment Marinkovic peut tirer, mais la boule n'est pas très belle. Ah, et puis surtout on ne sait pas qui a le point. Hein. Voilà, c'est ça. On est allé chercher le maître parce que le. Je pense que peut-être non, que Delahaye a regagné le point. Eh bien, c'est incertain, hein, comme vous le voyez. Hein. On a décidé de donner un peu de travail à l'arbitre national de ce concours. C'est bon, ça marche. Alors ça change tout, il est parvenu à le gagner de la haie. Et du coup sa boule est intéressante. Ah, tu disais Stéphane, hein, l'arrivée est en pente, ça descend beaucoup derrière le bouchon et il s'est laissé prendre Grezelfrick. Et d'ailleurs ça sera très certainement difficile pour Marinkovic de rajouter. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est très bien joué. Et là il y a deux points maintenant pour le
pour les Parisiens. Le terrain est quand même très glissant, il faut arriver presque mort comme il l'a fait là. Et puis le danger il est toujours là pour Marinkovic, il ne faut absolument pas jouer face au bouchon. Oh là là, c'est nickel, il a choisi de faire glisser sa boule, il l'a parfaitement réalisé deux fois, ça sera certainement 3 points. Ah non, ça sera simplement 2 points. La dernière boule n'était pas tout à fait assez longue. Et bien Delahaye qui recolle légèrement à Doher, qui n'est plus mené que 3-4. J'ai l'impression que l'ambiance est beaucoup plus forte dans nos oreilles là. Oui, mais on est déjà au minimum. Non, t'as rien touché, Tête. Alors on avait choisi le point sur cette première boule à Barbesol et puis alors c'est gagné mais attention hein, attention à la riposte là. Ouf, on se recule. Ça c'est un gros cachou là qu'a envoyé Marinkovic. Il a reculé d'1m50 hein. Et puis alors elle est en plein jeu la boule de Marinkovic maintenant, ça va être compliqué de la dribbler. Certainement être obligé de passer à gauche Tugo. Non mais il est passé en plein dedans. Il a peut-être trop cherché à gagner le point. Il fallait peut-être déjà se contenter dans un premier temps de passer la boule devant pour proposer une solution de tir. Il a peut-être été un peu trop gourmand là. Eh bien, recul et demi puisque... Celle-là aussi, c'est un très joli rétro là, de Ligan Doher. En tout cas, qu'il ne suffira pas à faire jouer parce qu'il a trop reculé et le point est toujours à la boule de Marinkovic. Ici à Orléans, on est dans le centre de la France, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos petits messages de bienvenue, d'encouragement et nous signaler hein, si vous êtes près ou loin d'Orléans, en France ou en Europe. On compte sur vous pour nous faire un petit coucou. Voilà, et c'est parti avec Pontarlier qui nous suit. Alors on a hésité, hein, parce qu'on pouvait tirer, hein, 4 boules contre 2, mais on préfère faire tomber une boule de plus si toutefois Barbesol gagne le point. Oh, c'est bien joué, très très bien envoyé. On l'a vu, la rotation de la boule, elle a fait encore 3 tours avant de s'immobiliser. On
On sent qu'il maîtrise parfaitement l'envoi. Hein. Alors, Dylan Cano qui est à la recherche d'un carreau. Oh là là, et le nouveau recul de Doher. Et encore trop. Qui a reculé d'un mètre cinquante encore. Hein. Et puis il a fermé la porte Doher avec ce recul. Là par contre on ne peut plus jouer droit au but. Il a choisi le. Ouh là là, il a choisi de passer entre les deux boules. C'est incroyable quand même qu'on a vu parce qu'il a les deux boules de devant là, il y a une toute petite fenêtre et c'est celle-là qu'il a choisi d'utiliser David Delahaye. Alors là il a complètement fermé la main avec cette boule embouchonnée là. On va pas commenter hein, de toute façon on laisse passer. Hein. Salut mon Flo. Ben, il avait à peu près que ce choix-là, Chris Elfrick, c'était d'essayer de rentrer dans la boule de Delahaye. Alors moi je suis curieux de voir s'il va réitérer ça. C'est bien joué. C'est peut-être un tout petit peu court. Ben non, il doit y en avoir deux. Bah oui, ce que je pense qu'on aurait tiré, bien évidemment. Oui, ça c'est une boule d'école que vient de jouer Christophe Marinkovic. Alors ce garçon, là, je le disais, il a repris la pétanque il y a 3 ans à peine. Et puis... Il a repris tous les coups de la pétanque que vous le voyez là. Il vient de jouer une boule, un des coups les plus difficiles de la pétanque, c'est-à-dire une boule avec un effet rentrant et jouer en demi-donné. Ça c'est un petit peu compliqué. Et peut-être qu'on va nous gratifier d'un petit replay, un petit replay là. Si Lionel Zané. Si c'est dans la boîte, comme on dit. Voilà, on trouve ça dans sa boîte. Allez, Delahaye qui prend les commandes hein, après un départ laborieux, ils étaient menés 0-4, 6-4 maintenant à l'issue de cette cinquième main. Et on vous le rappelle, c'est une partie qualificative pour demain. Ça, c'est très très bien joué. Et ça, c'est très très bien tiré. L'arrivée de la frappe là. Avec ce petit palais glissé de Ligue 1 d'Auvergne. En tout cas une équipe parisienne là qui se montre décidément redoutable. Hein. Alors Baudou van de Boule qui empêche Doher de tirer, mais par contre un peu de place pour JP là. Jean-Pierre Tugo, comme on l'appelle dans son équipe.
à 2. En 16e du court courant, que ce jeu sur le terrain 13, au 18 contre le 86. 86, 18 sur le terrain 13. Tu peux me rappeler comment je parle à Pierre sans gêner personne? Ah non, bon, c'est... Ouais. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Une main quand même qui est toujours un petit peu à l'avantage des Parisiens hein, qui sont, se retrouvent au 3 boules à 2 maintenant et puis avec la possibilité aussi toujours pour Delahaye de rentrer un petit peu dans ce but, peut-être de se mettre en deuxième point avec cette boule de Barbesol qui est toujours en arrière du bouchon. Ouh, c'est fait. Ouf. Il y a deux points pour les Parisiens. C'est superbe. Bon, je pense qu'on commence à douter quand même hein, du côté de Doer et d'Elfrick parce que cette partie elle se révèle, ça sent la partie piège quand même. Ouais, et puis là ce qu'il a réussi c'est vraiment très très dur parce que c'était quasiment annoncé et quel envoi, il a vraiment fait juste ce qu'il fallait. Hein. 244-120 sur le terrain 22. Et avec cette roue d'Elfrick là, ça lance encore les Parisiens sur une jolie main. Hein, et là, ça serait, si ça se réalisait, ça serait une main de break. Oui, et le but maintenant qui se trouve dans une petite cuvette, donc pour le rajout de boue, ça sera plus facile que s'il était resté à sa place initiale. Hein. Donc là, la boule d'Elfrick est vraiment très importante. Hein. Faut absolument qu'il vienne se mélanger. C'était bien joué. Oh là là, il a failli le faire. C'était bien joué. Alors par contre un tir à deux qui est bien dégagé pour Christophe Marinkovic. Et elle est là la main de break sur ce tir de Marinkovic. Et voilà. Et la possibilité, on l'a vu très bien pointer Marinkovic tout à l'heure, la possibilité de mettre un troisième point maintenant. Eh bien, on dirait que c'est fait. Ouais. Une équipe de Delahaye qui s'envole et qui mène à présent 9 à 4. Et Ligue 1 Doer qui reste positif, hein, qui encourage ses partenaires d'un calme olympien. Ah, ben, c'est une de ses qualités, la Ligue 1 Doer, c'est sa placidité, son calme. On aura besoin hein, parce que c'est le truc, lui, il peut s'enflammer un petit peu plus et puis souvent, surtout ils sentent qu'ils prennent le dessous hein, les équipes en noir, surtout à cause de ce garçon. Hein, Rudy Barbesol qui domine très très largement son vis-à-vis Jean-Pierre Thugo. Point que même quand Ligan Doer fait un petit recul comme ça, il n'est même pas content. Il cherche les carreaux, Ligan Doer, il n'arrive pas à les trouver. Ah, c'est encore envoyé à la perfection. Épatant, hein, vraiment.
quelle maîtrise de l'envoi là, c'est sur ce terrain, c'est impressionnant. Il est toujours en train de bisquer là, il n'y a pas d'autre mot parce qu'il ne fait pas carreau. Pourtant, il a posé deux témoins là. Un petit peu chafouin, notre ami Dauer. Ah, il sent que c'est des solides en face. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de point faible dans cette équipe rouge et noir. Hein. Et on a un milieu qui envoie à peu près aussi bien la boule que Rudy Barbasol. Ouais. Un pointeur peut en cacher un autre. Hein. Je dirais même un envoyeur peut en cacher un autre. Donc ils sont contraints à couper des points, il n'y a pas d'autre mot. Elfrick et Doher. Et voilà, encore c'est très bien tiré, un joli petit palais. Bah, si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la main, je pense C'est peut-être. On verra. En tout cas, ça sera. Si ça continue comme ça, ça sera à Jean-Pierre Thugot de la finir la main. En tout cas, ça fait des bons points. Il va falloir encore que Delahaye joue aussi bien. Parce qu'on prend beaucoup de risques en envoyant comme ça très loin du côté parisien. Il faut bloquer la boule. Il l'a un peu trop bloqué, Delahaye. Jean-Pierre Thugot qui se doit dire « J'aurais finalement peut-être qu'une boule à tirer ». Il va chercher à la jouer, hein. Ça c'est sûr là, Christophe Marinković. Ah c'est bien. C'est bien, il s'est donné une petite chance de faire prendre un contre à Elfrick. Ah, c'est passé très très près du contre, mais en tout cas avantage toujours à l'équipe d'Auer. Oh, il a tout passé. Ah oui, alors, est-ce qu'il a, il a tamponné la boule adverse, vous l'avez vu, mais le point doit rester très certainement à d'Auer. Donc on va demander à Jean-Pierre Thugot de pointer, mais là cette fois on lui demande, on se rappelle de la boule encore qu'il a rentré tout à l'heure, et donc on lui demande de jouer très à gauche. En 16e du concours A sur le terrain 16, on se joue le 119 pour le 163. 163, 119 sur le terrain 16. Et ça compte. Ah, il a pris un petit peu plus de marge. On va mesurer pour savoir s'il y a deux points ou trois. Alors il y en a deux, c'est sûr, parce qu'on a poussé deux boules. Donc là, on va mesurer le troisième. Et ça sera 3 points. Ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe d'Auer parce que il commençait à chercher la solution de cette partie. Et la solution elle s'est présentée tout simplement avec deux boules réformées au point là par Delahaye, oui. Par Marinković. Hein, finalement c'est Palais qui n'était pas si près que ça ont finalement compté puisque deux fois ils l'ont perdu. Hein. Thank you.
Alors, on prend beaucoup de temps là pour eux. Alors, on avait pris beaucoup de temps pour choisir l'endroit où on voulait mettre le bouchon. Certainement que chercher une partie un petit peu plus grasse du terrain. Et puis, c'est complètement raté. Vous avez vu ce bouchon, il a mal frappé. Il est allé dans une partie du terrain qui est justement un petit peu plus sèche. Ça sera difficile de faire des carreaux ici. En tout cas, Jean-Pierre Tugot qui est pris en main par ses deux partenaires. Hein. Ah oui, le cocoon là. Hein, il ne manquera pas d'explications et de conseils là, pour se rapprocher du but. Ce qui va les mettre à profit. Ah, il a un petit peu levé là. Un petit peu levé. Elle est devant. Alors, je suppose que Rudy Barbasol va envoyer pratiquement à la hauteur de la boule. Une boule qui a une qualité quand même, c'est qu'elle empêche de jouer droit but et l'arrivée au bouchon penche légèrement sur la droite, elle fait sur la gauche de votre écran. Donc une boule qui est là-dedans, elle va se coucher. Oh, c'est bien joué. Il avait prévu ça, Rudy Barbasol, il a joué avec cet effet rentral là qui lui donne ce très joli point. Là, c'est vraiment réunion de chantier à chaque fois sur chaque boulot de Tugot. Là, c'est des conseils de précision. Hein. Des conseils de pro, ça paye toujours. Calcul, mais je suppose qu'on va pointer parce que la boule de Barbasol ne demande un qu'à demi-tour. Avoir de l'avancement. Ouais, un demi-tour, je pense que ça va suffire. Ah non, finalement, Barbasol a décidé de ne pas jouer du tout sa boule, mais plutôt de jouer... un petit peu à droite là, pour essayer de se positionner face à la boule de Tugot. Et c'est presque ça, oh, c'est bien joué. Hein. Ah ouais, le problème de rentrer une boule qui est en plein jeu, c'est que si vous la prenez de côté, les deux boules s'écartent et après il n'y en a plus une qui compte. Alors je pense qu'il préfère la laisser là et espérer que ça soit l'adversaire qui lui donne une petite poussette. On a besoin de 99 à la table de marque, pour l'équipe 234 à la table de marque. Voilà, il y a eu un échange de boules, merci de venir rapidement. Et ça a failli contrer. Hein. Passé très très près. Hein. Alors, gros pourcentage de tir hein, chez Dower, mais il manque les carreaux. Une frappe, c'est toujours mieux qu'un trou, là, comme je viens de le constater, Christophe Marinkovic. Alors, 3 boules à 3, point pour dehors. C'est très très bien joué, il a mis deux points de la haie, et deux points qui sont bien séparés. C'est Barbasol hein, qui l'a emporté là, parce qu'on voulait un peu tirer je crois, hein, et c'est lui qui a insisté pour pointer. Alors après il faut bien pointer, mais c'est ce qu'il a fait.
Ah, ça joue la juste, hein, ça joue bien dans cette équipe parisienne. C'était il a presque fait le fait coup double d'Oer. Ça se rapproche. Il a failli griller la politesse à la noire hein, sur sa première frappe, Dower. On le sentait qu'il allait falloir très très bien jouer pour Delahaye, et pour Marin Gomes pour gagner deux fois le point. Et maintenant, il y a toujours deux points pour... La main a complètement changé. Hein. Maintenant, la main vient chez Elfrick. Et puis, il va falloir quand même gagner ce point encore. Hein. Ah là là, cette boule de la haie, elle va la regretter parce qu'elle a complètement changé le sort de cette main. Ils pouvaient, en gagnant deux fois le point, les Parisiens, ils pouvaient faire un nouveau point. Et puis là c'est une boule d'égalisation qui est entre les mains d'Elfrick, et peut-être mieux. Ça sera deux, peut-être trois, c'est ce qu'on est en train de regarder. C'est très très cher pour les Parisiens. Alors, 83-5. Et ça sera 2. C'est ça. 9 partout dans ce 16e de finale. Cette partie, on vous le rappelle, qui est qualificative pour demain. Et qui n'a jamais été aussi indécise. On a du mal à faire un pronostic. Hein. On voit d'un côté une équipe parisienne qui fait d'excellents débuts de main et qui se procure des belles opportunités. Et puis finalement, c'est parfois Doher et Elfrick qui emportent le morceau à coup de carreau. C'est très sympa d'avoir cette opposition de style. Et puis David et Doher aussi qui jouent leur boule et aussi de plus en plus celle de Jean-Pierre Thugot, parce que Jean-Pierre Thugot lui dit il faut que tu tombes là, il faut que tu arrives ici. Ouais, ça porte ses fruits pour l'instant, notamment sur la dernière main. En tout cas, 9 à 9, on ne sait pas pour qui sera l'omelette à la fin de la partie. Hein. Et c'est une belle entame. Une belle entame. Une entame qui est à 50 cm du but. Peut-être qu'il ne posera pas de problème à Barbassol parce que le jeu est ouvert. Ah. Mais ouais, il n'est pas sûr à Barbassol et finalement lui il préfère qu'on tire. Il a raison, il faut commencer à mettre 2-3 boules au fond pour déjà se prémunir à 9 à 9. Un but qui est à 8,40 m.
là 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 là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à Barbesol, il n'a pas du tout monté cette boule. Il nous avait habitués depuis le début de la rencontre à envoyer des boules très hautes. Et là, il a joué uniquement sur le coup de poignet, sur l'effet. Il n'est pas arrivé à la bloquer, c'est une boule qu'il ne jouera pas. Elle est à 1m50 derrière le but. Donc on va reprendre la première idée, c'est-à-dire essayer de mettre trois boules au fond. Ouh, et ce carreau qui arrive à point nommé. Ça, c'est le carreau que cherche à faire Ligandoer là, depuis le début. C'est Marinkovic qui l'a réalisé. Oui, et puis réalisé. Le but qui est un petit peu dans le coup maintenant. Il y a un nouveau recul qui va faire d'autres lignes de la tête, Ligandoer. Puisque le but, le point, pardon, est toujours au Parisien. Alors, je les appelle les Parisiens au sens large, hein, puisque Rudy Barbesol est licencié à Châtenay-Malabry, Christophe Marinkovic à Meudon et David Delahaye à Breuillet. Alors, pour un Varois comme moi, ce sont tous des Parisiens, mais en tout cas, ce sont des Franciliens. Là, je peux employer le terme exact. Rendons à César ce qui appartient à César. Voilà, tiens, un autre sudiste. Bonjour Fred, Guglielmo qui nous suit. Ouais, qui est un bouliste note fidèle et puis aussi un joueur fidèle du circuit national qui a fait faire ses premiers pas à énormément de jeunes joueurs du circuit national. Alors en attendant, ça se complique un petit peu pour l'équipe de la Haye. On va retirer pour casser la gagne. Ouh là, elle est pas droite. Celle-là, elle est... Ouh là là. Eh ben c'est presque plié. Non, le talon s'est mis. Alors non, c'est. Et on envisage de tirer le but hein, du côté des rouges pour ne prendre que 3 points. Ça c'est l'idée de Rudy Barbesol, hein, le pointeur, alors qu'il n'a pas tiré de la partie. Finalement, on s'est concerté, on va tirer la boule. Et ben c'est terminé avec ce trou de Rudy Barbesol. Alors, il faut évidemment encore jouer, les mettre ces trois derniers points, mais ça va être une formalité évidemment pour Elfrick et pour Ligandoer. Ouais, cette équipe de Delahaye qui avait bien tenu la partie puis qui s'est quasiment écroulée sur une main. Hein. C'est malheureusement la conclusion qu'on va faire dans quelques instants. Et voilà, c'est fait. Exactement, une partie disputée, une partie indécise qui se finit un petit peu en queue de poisson avec cette main inattendue là, de David Delahaye et Christophe Marinkovic et Rudy Barbesol, en tout cas des joueurs qui ont convaincu, qui ont fait douter l'équipe favorite de Chris Elfrick, de Ligandoer et de Jean-Pierre Thugot. On les retrouvera, ces trois joueurs, demain
en huitième de finale. Donc cette partie, elle a été, on le disait Stéphane, elle a été disputée, elle a été indécise pendant très longtemps. Oui, on aurait même pu espérer, enfin on aurait même pu croire, ces Parisiens, comme tu l'as dit, tenir la dragée haute. C'est ce qu'ils ont fait, on aurait pu penser qu'ils allaient résister jusqu'au bout et puis ils se sont écroulés. Écroulés, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est vrai qu'ils ont passé un petit peu à travers cette semaine qui a été la dernière avec ses 4 points. Donc je pense qu'ils auront un petit peu de regrets, mais bon, il a fallu un vainqueur et on souhaite bonne route à Thugo, Elfrick et Dower pour la suite de la compétition. Voilà. Avant de vous quitter, on va élire bien entendu le joueur de la partie, en tout cas l'élire, c'est un grand mot, mais en tout cas dire celui qui a, à notre sens, a pesé le plus sur cette rencontre, Stéphane. C'est pas forcément évident, parce qu'on a vu un très très bon pointeur du côté de l'équipe des perdants. On a vu un Ligan Dower qui a été très décisif, qui a pratiquement pas manqué. Je sais pas, Pierre, je suis un petit peu indécis. Peut-être une petite préférence pour Dower, alors. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ligan Dower qui a tenu la baraque, il a fait une partie quasiment parfaite, pratiquement sans déchet. Et on l'a vu dodeliner de la tête, on l'a vu râler un petit peu parce qu'il faisait des reculs de 2 mètres au lieu de faire des carreaux. En tout cas, il a fourni une partie qui a constamment laissé son équipe dans la course. Et puis, jusqu'à ce dénouement que nous venons de vivre. On les retrouvera, Ligan Dower, Chris Elfrick et Jean-Pierre Thugo, demain en huitième de finale de ce national d'Orléans, alors qu'il y a... On va vérifier si Laurent Dio, là, qui était là, est toujours en course. Tu as gagné ou tu as perdu, Laurent? Ah, il va jouer. Ah, on va peut-être avoir le plaisir de vous le proposer, Laurent Dio, parce que c'est un revenant. Hein. Vous rappelez certainement de ce garçon qui avait été demi-finaliste du Mondial de la Marseillaise jadis, qui a été le partenaire de Ratoun Gross. Et il va reformer cette équipe l'an prochain, cette doublette avec Ratoun en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux précisément. Et on voit ce joueur revenir avec plaisir sur les jeux, avec son talent et puis sa grosse personnalité, son gros caractère. On va peut-être certainement vous le proposer tout de suite ici devant nos caméras. À tout de suite. Bye bye, merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.